Salut tout le monde les gens, ici Babouliné pour le 10ème épisode de Mario Odyssey sur Switch, soyez les bienvenus, j'espère que ça va pour vous. Donc, on se retrouve, c'est quitté la dernière fois, c'est-à-dire devant l'Odyssée sur le pays perdu sur Toxil, où on s'était concrètement écrasé après notre premier combat contre Bowser. Et aujourd'hui, on va remettre les voiles en espérant partir vers notre destination initiale qui était le pays des gratte-ciels. Alors c'est parti, on devait récupérer 10 lunes, on en a eu 13, c'est parti. Allez, repars petit vaisseau. Ouais bon, l'Odyssée est réparée. Ouais. C'est la top classe. Allez, on se casse. On se casse. Et du coup, est-ce qu'on va remettre les voiles vers le pays des gratte-ciels, comme on devait le faire. Maintenant, 93 lunes à notre actif. Oui ! Heureusement qu'on a trouvé assez de loot pour réparer l'Odyssée, c'était pas gagné. Bon. Si on profite du voyage pour faire un peu de lecture. Truc de voyage, roulez. Envie d'accélérer dans vos déplacements ou de descendre une pente en un clin d'œil ? Accomplissez-vous et appuyez sur Y pour avancer en roulant. C'est bon à savoir, non? Ah oui, je voulais vérifier 2-3 choses, truc sur le pays des gratte-ciels. Alors, c'est un immense complexe urbain qui s'est développé grâce à l'énergie des lunes. J'ai hâte d'y être. Eh ben, on va voir ce que ça donne, hein. On va voir ce que ça donne. Donc, New Donk City. Ça, c'est un des trucs qu'ils avaient présenté dans les trailers, si je me souviens bien. Et qui est d'ailleurs l'une des images qui sont utilisées, qui est utilisée pour l'intro. Scolopendre du gratte-ciel. Ah oui, quand même. On est enfin arrivé, mais la situation n'a pas l'air au bon fixe. Regarde, c'est le vaisseau de Bowser. Allons-y. 20 lunes à découvrir. Alors, c'est le moment. Ah oui, quand même, il y a pas mal de choses. Allez, c'est le moment de lire le guide touristique. Pays des gratte-ciels, centre d'affaires et terrain de jeu urbain. New Donk City, la ville qui s'en sort toujours. Population dense, taille importante, ni gentilé et New Donkers, monnaie à l'effigie de la mer. M-A-I-R-E. Industrie, information, publicité, température 27 degrés en moyen temps. C'est elle la mer? Oh bordel, elle est belle! Ah, elle est jolie. La nuit venue, la ville se pare de lumière. Vue à 1 million de pièces. Vous avez fait le voyage jusqu'à New Donk City, impossible de faire l'impasse sur la ville de nuit. Il y a toujours le fond vert qui fait nawak à ce niveau-là, c'est dingue, hein. Attendez. S'il dépasse un tout petit peu dans le coin, genre juste là. Il dépasse un tout petit peu. Bon, au pire, c'est pas bien grave. Regardons, est-ce que je peux me décaler comme ça? Ça devrait aller. L'hôtel de ville de New Donk City offre sans doute les meilleurs points de vue, mais il est fermé pour rénovation et devrait donc vous rabattre sur un des bâtiments alentour. Vous êtes sur place pendant la saison du festival, profitez-en pour prendre part aux festivités. L'organisation étant fluctuante, renseignez-vous pour ne rien rater. L'hôtel de ville est donc Madame la Mère. Les gratte-ciels sont la première image qui vient à l'esprit de qui veut décrire New Donk City. Dans cette forêt de tours, ne manquez pas la plus grande, l'hôtel de ville de New Donk City. Avec un peu de chance, vous y croiserez Madame la Mère, la célèbre Pauline. Un nom qui me dit quelque chose dans l'univers de Mario, Pauline. Je sais plus d'où elle sort, je me demande si c'est pas dans Mario Land premier du nom qu'on fait référence à ce nom-là. On a aimé la voiture téléguidée. De plus en plus de New Donkers pratiquent le noble sport de la voiture téléguidée. Essayez de trouver un amateur pour vous ouvrir les portes de ce monde fascinant. Eh, quand même, il y a de quoi faire, hein. Alors, siège de Crazy Cap. Désormais connu dans le monde entier, la chaîne de prêt-à-porter Crazy Cap à son vaisseau amiral au cœur de New Donk City. La bouture doit sa devanture unique au théâtre qui occupait autrefois le bâtiment. Les temps ont changé, les artistes préfèrent désormais se produire dans la rue, un empire bâti sur des chapeaux. Ville toujours en sentier, en sous-sol, sur les toits, en intérieur, les travaux de construction et de rénovation font partie du quotidien des New Donkers qui ne les remarquent même plus. Tous ces chantiers expliquent pourquoi la ville est en permanence traversée par de nombreuses lignes électriques. Attention aux grues, poutrelles et autres bouches d'égout lorsque vous flânez dans les rues. L'accès au chantier n'est même pas interdit. Le scooter star de la rue. Le rien de plus pratique que ce moyen de transport un peu rétro pour se déplacer rapidement en ville. Envie de tenter l'expérience, profiter du système de libre-service. Il peut être que l'air. Et vous allez voir qu'on va pouvoir balancer le capi dessus. Donc notre utilisation en 3 points. 1.
Une métropole à la pointe en développant continuel développement grâce à ses lunes. 2. Les habitants réservés sont toujours prêts à laisser leurs portes ouvertes. 3. Un festival de l'organisation erratique à ne manquer sous aucun prétexte. Et il y a 66 lunes et il y a 100 pièces donc à l'effigie de la madame. Eh ben c'est parti, hein. On va explorer un petit peu. Voir déjà si au niveau de l'héliport, enfin du spatioport, du l'endroit où on se gare, il y a quelque chose d'intéressant. Et juste pour voir, il nous faut combien de lunes pour repartir? Non, ok. C'est juste pour savoir. Ok, encore 20. Ok, il nous faut 20 lunes pour repartir. Quelque chose là. Allez, je pense qu'il faut d'abord dégager Bowser avant de vouloir rentrer là-dedans. Toujours ce truc là. Non, ça marche pas. Bonjour. Qu'est-ce qu'on va faire, Madame la mère? Je me demande pourquoi cette bestiole s'est installée là-haut. Ah, c'est toi la mère. Bonjour, je crois que le monde n'est pas très mal choisi pour faire du tourisme. Depuis que ce monstre est dans le coin, la ville est en dessous. Visiblement, il faut que tout le monde sache qu'il va se marier. De toute manière, il nous invite à la fête. Ah là là, sacrée Pauline, si tu savais. On va récupérer... Ah ! C'est bon, je suis pas mort. Ça a pas l'air d'être le meilleur moment pour se balader en ville. T'es caté, frère. Oui ! Bordure de la ville. Oh là là, ça pleut de babat. Attends, est-ce que je peux prendre le contrôle de ces machins? Non, pas cela. Bon, et bah dans ce cas, on va leur tataner le pimpon. Ok, et ces trucs-là? Ok, c'est la même chose, c'est juste les larmes. Ok. On va quand même explorer un petit peu avant d'aller... Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, d'accord, il y a des tanks. On va pouvoir rejouer à World of Tanks! Parce que du coup, je pense que tout ce qui est... Ah si, la boutique est quand même indiquée, hein. Ok, allez. Hop là. Ok, on peut balancer de l'eau avec les bouches d'incendie. De toute façon, je pense que il faut qu'on commence par se concentrer sur le mille pattes. Oui, le scolopendre et mille pattes, c'est la même chose. Donc là, vous voudriez me faire la remarque, hein. Aïe, fuck. Voilà, je vais quand même voir si on peut pas explorer pour voir des... Oh, Bowser et Peach, a royal wedding. Non, moi j'y vais avec mon tank à moi. Allez. On va tout péter. Ouh, qu'est-ce là? On tient un cœur. Je prends le cœur. Hop, hop, hop. On va leur tataner la tronche, vous allez voir. Ah, puis il y a la boutique Crazy Cap ici. On va peut-être pouvoir aller jeter un œil. Bon, mais si on peut rien s'acheter avec la monnaie de la ville. Ok, il y a un checkpoint par ici. On va laisser le tank comme ça. Et on va aller voir. Ah, du coup, il y a deux entrées. Je ne vous fais ici jusqu'à ce que ce soit terminé. Ok, bah bonjour. Bonjour et bienvenue dans notre boutique. Nous avons reçu de nouveaux articles. Donc, cœur de soins, lune, pays des gratte-ciel. Ok, la tenue façon super poète. Alors, je vais prendre la lune et je vais prendre le costard parce que je trouve que Mario en costard il aura la classe. Je pense que vous en pensez. Affaire en or à New Donk City. Première lune sur les 20 dont nous aurons besoin. Donc on va prendre le feutre noir et on va se changer. Pareil pour le costard. On se change, voilà, comme ça. On a... Bah non, ça fait un peu... Ouais. Ça fait Mario est une star de cinéma muet des années 30. Bonjour. Alors, casque de chantier, tenue de chantier, casquette de golf, venue de vie gratte-ciel, mini-hôtel de ville et statue de Pauline. Ok. D'ailleurs, attends. Le truc de chantier, c'est pas la tenue qu'il a sur la jaquette de Mario Maker? LOL. Tu peux acheter la tenue de la jaquette de Mario Maker. Allez, on va retour faire péter parce que pièce. Allez, on va lui tataner la tronche là autant que là-bas. Enfin, Charlie et Lily, je les appelle. Alors c'est vrai qu'on n'a pas regardé les nouvelles chapitres morphoses qu'on avait débloquées. On va regarder.
Chamber of Rose, on est donc à 24. On a débloqué quoi de nouveau? Je pense qu'on a eu le Wiggler, on a eu la Kitu, la Tirette, Chip Chip qui est très casse-tête, Poupousse, Crapaudon. Wiggler tropical, et il est tropical. Souvenir 6 sur 43, parce que du coup on a, ouais, on a le mobile papillon. Ok, très bien. 66 lunes à New Donk City quand même. Hein. Ça le prix, il va. Ok, il va falloir qu'on traverse les chantiers. Ça va, attends, hé. Hey. Du coup, je peux prendre le Goomba. Oh. Ah, attends, il y a peut-être besoin du tank. Mais je peux pas amener. Attends, avec un tir bien précis, je pense qu'il doit y avoir moyen. Donne la pièce. Merci. On a pas des pièces là-dedans. Non. Hop, il y a une pièce que j'ai pas chopée, dis donc. Il resterait pas un tir. Il doit rester un temps. Je pense qu'avec un tir bien précis, ça a une chance de passer. Alors, ouais, je pense que c'est comme ça que ça se fait. Hop. Ah là, le travail. Je parie qu'il y a un truc spécial dans un de ces blocs. Sinon, il les aurait pas mis là. Hop. Des pièces. Et là. Ok, on récupère plein de pièces. Et on trouve un checkpoint donc sur le chantier de construction. Je voulais pas prendre le Goomba, mais soit. Attends. Je suis sûr qu'on peut faire une pile. Vas-y, viens la poteau. Les gars. Genre voilà, là, il y a moyen. Il y a moyen de choper un cœur. J'ai failli dire une lune, dis donc. Ah, mais il y a une lune là en dessous. Attends, je vais lui tataner la tronche à celui-là. Hop. On va éloigner ce tank qui me gonfle un petit peu. Puis on va faire un peu de nettoyage. Hein, parce que votre ville, elle est pas très bien. Elle est pas très très propre, là, les gars. Hein? Bande de saloperies, là. Oh, on doit pouvoir grimper avec ça, attends. Ouais, parce qu'on commence à se rapprocher du gratte-ciel. Et c'est là où on doit aller. Mais d'abord, on va se visiter un petit peu le coin. Ah. D'accord, il y avait une pièce dans le... Dans le feu de signalisation. Est-ce que je pourrais avoir un cœur? Oh, attends, je sais comment avoir un cœur. Il y a un petit truc qui est vachement bien dans ce jeu, attends. Est-ce qu'il n'y aurait pas des pièces cachées sous les affiches? Je pense que les affiches qui sont plus claires que les autres, elles doivent cacher des pièces. En tout cas sur les murs. Ouais, effectivement. Je vais laisser le tank ici, et ce qui m'intéresse... C'est voilà, c'est ça, parce que si vous vous souvenez, au fond, déjà au fond du sac d'acier, quand on récupère une lune, voilà, ils nous remettent nos points de vie à fond. Donc, tant qu'à faire, autant profiter des mécaniques du jeu pour se refaire une petite santé. De toute façon, je pense qu'on peut rentrer nulle part tant qu'on n'a pas résolu le problème du mille-pattes. Hop, je prends ça, merci. Je pète ces blocs. Je pense qu'on va casser un maximum de trucs tant qu'on peut. De toute façon, voilà, il va falloir qu'on aille tout là-haut. Ah, on est en mode World of Tank. Bon, les gars. La dernière envie a le droit de grimper. Spoiler, ça va être moi. Voilà. Je l'avais dit, hein. Oh, pardon, on m'a dit de pas spoiler le jeu. LOL. Oh, un cœur. Hop. Attends. Là, on va pouvoir bien tout péter. Genre, on se met en mode Moirambo, on va tout péter. Oh, t'as failli m'avoir, espèce de coin-coin. Accès au chantier. Ah oui, il protège même pas la route, quoi. Ah, c'est vraiment une bande de ouf, les gars. Et ici, il y a quelque chose. Il y avait quelque chose. Oh, attends. Oh non, je pensais qu'il y avait un accès. Je pensais qu'il y avait un accès. Celui-là, donc, pas de pièces. Là, il y a des blocs. Pour des petites piécettes. Dans le feu, on peut le péter. Non, enfin... Le cœur,
encore quelques pièces supplémentaires. Et du coup, du coup on peut. Ouais, pour pas rentrer par là, va falloir qu'on passe par le poète-poète là, les escaliers par ici. Alors, on peut utiliser ces escaliers pour monter, je suis tout à fait d'accord, mon cher Capi, j'avais l'intention de les prendre. Hein. C'est quand même pratique qu'ils aient mis des escaliers juste là. Oh, attends. Je me demande si avec un tir bien placé d'un tank. Pourrait pas. C'est-à-dire ça a marché tout à l'heure, il n'y a pas de raison que ça marche pas maintenant. Voilà, je prends le tank et du coup il faut viser. Viser où? Il faut viser par là-bas. Plutôt quelque part par ici, je pense. Au pire c'est pas grave, on reviendra dans nos circonstances. De toute façon, l'essentiel, en plus d'être dans l'actel, étant d'atteindre le sommet, est-ce qu'on a tiré? Oh c'est bon, je l'ai eu. Ah puis voilà, tiens, c'est juste ici qu'il y avait qu'on a, bah, qui a servi pour l'intro du jeu. Enfin l'intro de la série plutôt, j'aimerais dire. Ok, quelque chose par ici? Il y a moyen d'y aller avec des sous-bureaux. Attendez, il y avait quelque chose en bas. Quelque chose que j'ai. Ouais. Non, reviens ici, mon petit Mario. On a de la piécette. S'il y avait un truc, je crois que c'était. Ici, ouais, c'était là. Il y a une zone par laquelle on peut aller. Et c'est ça que je voudrais explorer. Alors, allez, les coups de cul, ça marche pas. Hop. Ah puis là on peut faire un joli, une jolie chaîne de saumureaux. Donc, si vous pouvez les faire un peu plus vite, ce serait cool. Ah hey, regardez-moi ça. On a bien fait de venir. Entre deux poutrelles, il y avait une lune. Et j'ai pas d'idée de rime. Je sais pas pourquoi je suis parti en chanson. T'as la lune qui prend Mario, c'est Mario qui prend la lune. Ok. On est pas mal. Allez. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Alors déjà, il y a une lune sur cette poutrelle. Vous vous doutez bien que je vais aller la récupérer. Oh, attends. Des pièces! Hop, voilà. Attends. Tu vois pas quelque chose d'intérêt à ce niveau-là? Ah, bah c'est le saumureau que. C'est un des saumureaux que j'avais repéré, effectivement. Hop. Ok, allez, on active le checkpoint. Héliport. Il y avait bel et bien des héliports par ici. Ok, il y a une lune par ici, ça m'intéresse. Au bout de la poutrelle vacillante, très bien. Ok, on va faire bien tout le tour comme ça. Alors, je peux rentrer ici, mais on va pas le faire tout de suite, évidemment. C'est regarder, hop, il y a des pièces violettes. Et voilà, on les a pas loupées. Bon, attends, les trucs par ici. Ah, merde! Oh bah du coup ça va me permettre d'aller voir s'il n'y a pas une lune qui traîne ici. Allez. Bon moi ça va, ces machins là sont un petit peu suicidaires. Et bien sûr c'est quand ils me foncent pas dessus que j'y arrive. Vas-y là. Oh attends. Sur les... Il y a peut-être un passage par ici. Qui mènerait à... Que dalle. Ok. Bon, au moins on est sûr, au moins on est fixé. Voilà, maintenant on va rentrer dans le truc. Alors ça sent le combat de boss quand même. Il va falloir qu'on dégage le mille pattes. Arrête de te prendre les murs Mario, ce serait très apprécié. Ok, cinématique ou pas cinématique? Non,
Intérieur de l'hôtel de ville de New Donk City. Encore un petit peu de plateforme, bah oui. Est-ce que je peux avoir un cœur? Oh, bah il suffit de demander, j'ai l'impression. Attends. Juste pour des pièces? Juste pour des pièces. Ok. Attends. Il y a une pièce qui est là qu'on n'a pas récupérée. C'est bien une pièce. Voilà. Non, je suis là. Hein? Oh, je vois des pièces là en bas. On va aller les récupérer. Ouais, donc apparemment le canard est d'accord. Voilà, je vais te casser le pimpon. On récupère les petites pièces violettes. On en a encore par ici. Hop, faut faire gaffe parce que ces machins là c'est agressif. Deux pièces là. Hop, je préfère des petits saumons. Voilà, c'est parfait. Hop. Parce que c'est avec cette plateforme là, il y a moyen d'avoir des pièces violettes. Ok, très bien. Très bien, très bien. Hop. Et là on va Hop, je récupère ça. On va faire un petit peu de grimpette, mon petit mammouth. Que je veux les pièces, hein, c'est bien les pièces. Voilà, comme ceci. On est bon. Et on arrive tout doucement en haut. Oh shit. Quoique, il y a une autre barre qu'on pourrait choper, mais je veux quand même aller voir ce qu'il y a à ce niveau. Bien, on va se mettre là pour récupérer les petites piécettes. On va mettre en vue subjective, vas-y là. Hop. On va récupérer plein de trucs. Pire, c'est qu'avec un genre avec un saut mural, il doit y avoir moyen. Ouais, oh, donnez-moi un cœur, les gars. Non? Vous voulez de pas? Vous êtes rien qu'une bande de pimpons, voilà. Voilà, en fait, on va faire le tour pour arriver à l'endroit où on serait arrivé par par le truc. Je verrai bien ça. Ah, ouh, un gros cœur. Ah, merci, ça, voilà. Ça, c'est bien. Ok, donc c'est là qu'on sort. Mais il y a encore un truc, ça m'intrigue. Je veux aller voir. Parce que pourquoi ils auraient mis une barre... Ouais, il y a des pièces. Pourquoi ils auraient mis une barre si on peut pas aller la récupérer? Ouais, voilà. Oh, attends. Hop. Oh, hé, il y a une lune cachée. Il y a une lune cachée, j'ai bien fait d'y aller. Objet perdu à l'hôtel de ville, et ça nous fait 5 lunes pour ce niveau. Si je fais... Attends, si je fais genre un back... Ah! Voilà, je voulais faire un combo backflip saut mural. Genre comme ça. Ah, hey, il y avait des pièces cachées. Allez. Oui! Voilà, là, je suis content. On a bien ratissé... Ah! Hop, 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 hop. Oh punaise. C'est frayeur, je vous jure. Allez, là on arrive probablement au sommet, ou pas très loin en tout cas. C'est vrai qu'il faut continuer à monter. Allez, tu vois de l'hôtel de ville. On explore évidemment. On fouille, on fait le tour. Des fois qu'il y a un truc qui soit digne d'intérêt. Des petites piécettes. Nous y voilà. Oh attends, 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 attends. Hop, hop, hop. Voilà, c'est ça que je voulais voir. Ça veut dire que j'aurais pu éviter toute cette, tout ce passage à l'intérieur si j'avais fait ça. Hop.
Eh, quand même, il y a de l'espace, donc il faut le timing, hein. Ok, là il faut que je récupère là, il faut que je récupère simplement les lignes haute tension. Ou pas. Ouais, je peux. Oh, il y a des affiches qui commencent à pleuvoir là. Ok, alors. Comment on fait? Attends. Quelqu'un qui veut nous parler. D'abord, je vérifie que je ne peux rien sur cette partie. Oui, monsieur. On dirait qu'il absorbe l'énergie pour la transférer ailleurs. Tout ce que t'avais à dire. Probablement le tataner avec un coup de capi, je pense. Ah, cinématique time, donc je disparais. Wow, va falloir qu'on affronte ce truc. On va se marrer. Ouais, ouais, arrête de gueuler. Ou pas. Ah si, il nous amène en bas. Comment il a fait pour pas se blesser là comme ça? Ok, ben je sens qu'on va se fendre la poire. Allez hop. Ok, donc comment ça se passe? Oh, j'ai peut-être besoin d'un des tanks. Ouais, j'ai besoin d'un des tanks. Ah, c'est comme ça que je lui fais des dégâts. C'est le moment. Feu! Allez! Vas-y là! Oh, il a une armure maintenant. Qu'est-ce qu'il fait? Vas-y, fonce. Ok. Mesure? Je sais pas s'il faut tirer, mais en tout cas j'essaie, je le laisse passer. Allez, ça aussi. Oh. S'il faudrait pas que j'essaie de l'intercepter avec Capi, j'en sais rien. Où qu'il est ? Il est là. Ah ok, je peux recommencer à lui tataner la tronche. Ok, là il est en armure donc il va de nouveau foncer dessus. Non, je t'en prie, t'as la priorité, tu viens de la droite. C'est évident. Alors il va où ensuite? Il va ici. Non, par là. Un. Et je dis deux. Bourrinage! Ah, c'est bon. Je crois qu'on l'a eu. Yeah! Ah, on commence tout de suite par une multilune. Vachement bien, ça. Allez. Youhou! Multilune time. Après, multipass, multilune. Le fléau de New Donk City. Ah, c'est la classe. Et du coup, on a dû dépasser les 100 lunes maintenant. Parce qu'on en a 8 dans ce niveau, donc on a 101. Not bad. Et maintenant, il fait beau. Nouveau départ à New Donk City. Et là, je pense qu'on va voir ce qu'il y avait dans les premiers trailers de présentation. Oh, attends, il faut aller voir madame. Bonjour. On est débarrassé du scolopendre. En plus, il fait beau. Malheureusement, cette crapule de Bowser a pris la poudre d'escampette. Il faut qu'on le rattrape. On n'a pas assez de lune pour décoller. Allons chercher dans la ville. Yep. Yep, yep, yep. Et maintenant, est-ce qu'on a des choses qui sont débloquées? Genre, voilà, on a voiture téléguidée, corde à sauter et jeu du chapeau. Ouais, ça me paraît pas mal. Du coup, on va se refaire une exploration de la ville. Mais... nous ne la ferons pas dans cet épisode. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vais disparaître le temps de la outro. Et je vais en profiter pour vous remercier d'avoir regardé. J'espère que ça vous a passé un bon moment. J'espère que ça vous a plu. Quel que soit votre avis, n'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur l'un des petits pouces en bas de la vidéo. Ça fera toujours plaisir. Sinon non plus à laisser un commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ou à parler à la chaîne autour de vous si le cœur vous en dit tout ça. Vous le savez, la petite question, ça fait plaisir. Et donc en attendant notre nouvelle exploration de New Donk City, ben, je vous remercie une nouvelle fois de votre soutien. Ne changez pas. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.